Good morning, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui. Le Lunishmat Richard Ben Fortune Mazal et Claude Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude, Mishnah correcte de 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Rosh Hashanah, Perigimel, Mishnah Gimel, Shofar, Shel Rosh Hashanah, Shel Yael, Pashut, ou Piv Metsupe Zav. Mishte Chatzotzrot Minatz Dadin, Shofar Marich, Vachatzotzrot Mekatzrot, Shemitzvat Hayom, Beshofar. On est en train de découvrir maintenant le dernier chapitre de Rosh Hashanah, on va parler de la grande mitzvah de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le shofar. Alors la Mishnah me dit, shofar shel Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah, par opposition, en fait, toute notre Mishnah est en opposition à la Mishnah d'Alet, où on va voir que durant les jours de jeûne, il faut aussi un shofar avec des trompettes au Bet Hamikdash, et tous les détails qui sont présents dans la Mishnah, on aura le négatif, le contraste, quoi, enfin le contraire, en fait, dans la Mishnah d'Alet. Donc, en fait, pour le moment, on va donner à la Lachot dans Mishnah Gimel, et puis quand on sera d'Alet, on comprendra. Shofar Shel Rosh Hashanah. Le shofar de Shel Rosh Hashanah, il doit être Shel Ya'el. Il faut prendre, a priori, un shofar de Ya'el. De Ya'el, c'est un mouflon. C'est une machloket dans le Mishnah, comment expliquer? Comme ça, il rapporte, c'est en Yiddish, ça dit Steinbuk. Steinbuk, c'est le mouflon. C'est comme dans Israël, là, sur la bouteille de Engedi. Engedi, il y a des Ye'elim, comme l'a dit David HaMelech. À ça, il y a Elim, c'est la Marseille, je ne sais plus comment dire. Il y a Engedi, ceux qui savent, ceux qui vont se prendre à Engedi, on voit là-bas, il y a beaucoup de. Il y a des Yaelim qui traînent. Des Yael, c'est des mouflons. Ils ont l'avantage d'avoir des cornes qui sont très droites et simples. Et c'est pour ça qu'on préfère prendre ça en chauffard. D'accord? Donc Yael, parce qu'il est pashut, il est simple. À la différence du chauffard du. C'est pas retenu pour la lacha. Pour la lacha, on ne fait pas comme ça, mais on prend du bélier. À la différence du bélier qui est, comment dire, il est courbé, il est très incurvé, là on veut qu'il soit pashut. Il y a un remez, en fait, on veut qu'à Rosh Hashanah, ça vient en fait le chauffard. Il vient nous rappeler quel type de tchouva on doit faire. Rosh Hashanah, il faut reprendre la pashut. Revenir simple, accepter tout ce qu'Hachem y fait, revenir à Hachem. Et tandis que durant les jours de jeûne, ça va être le moment de se courber, donc en prenant le chauffard qui se couvre, comme on verra ensuite. Ou piv, metsupe, zaav, et. Sur sa bouche, là où il fallait poser le sonner concrètement, il était recouvert d'or. Mais attention, il n'était pas à l'endroit où on met la bouche directement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de chatitza. Il faut poser la bouche sur le chauffard directement. Donc, un peu plus loin, il y avait une sorte de bague en or, pour donner du kavod au chauffard. Et en plus de ça, il y avait ushtei chatzotzrot minatzadin. Et il y avait, à côté, des deux côtés, de celui qui sonne le chauffard, il y avait deux trompettes. Pourquoi les trompettes? On va expliquer dans quelques secondes. Et la Mishnah me dit d'abord, Shofar ma'arich v'chatzotzot mekatzot. Quand c'est le moment de sonner, ils commencent tous les trois en même temps. Il y a le shofar qui commence son tout, et les deux trompettes qui commencent à sonner aussi des sons de trompettes, puis après, le shofar ma'arich, le shofar il continue ensuite son son, tandis que chatzotzot mekatzot et les trompettes, eux, raccourcissent leur son. Pourquoi? Shemitzvat Hayom Beshofar. Car la mitzvah du jour d'Orjana, c'est de sonner le shofar. Donc en fait, c'est déduit du pasuk. D'abord, il y avait des trompettes, vous savez bien, dans la Torah aussi, c'est précisé que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Aselcha Shtei Chatzotzrot Kesef. Tu te feras deux Chatzotzrot en argent pour, avec ça, avec les trompettes. Moshe Rabbeinu, il appelait les Bnei Israël à se réunir, ou bien les Skenim, selon le code qu'il avait, comme c'est précisé dans l'Otra, je pense. C'est là-bas que c'est à la parasha de Aselcha Shtei Chatzotzrot Kesef. Maintenant, la Torah, le pasuk qui nous dit, Bachatzotzrot vekol shofar, hariu lifne amelech Hashem. Bachatzotzrot avec des trompettes, vekol shofar et un son du shofar, hariu, comme ça vous allez sonner, déclarer, lifnei Hashem, devant Hashem. Donc on déduit qu'en fait, que quand on est devant Hashem, c'est-à-dire au Bet Hamikdash, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, n'importe quel son que tu vas faire, il doit inclure le shofar et les trompettes. Sauf que quand c'est la mitzvah de sonner les trompettes, le shofar il s'arrêtera et il laissera les trompettes continuer, comme ce qu'on va voir en prochaine Mishnah. Mais quand c'est la mitzvah de sonner le shofar, et bien c'est le shofar qui commence. Et tout le monde commence en même temps plutôt, et les trompettes qui s'arrêtent, et le son du shofar qui continue ensuite. Ça c'est pour le. D'abord, on a expliqué donc la source, d'où ça vient, l'histoire d'avoir les chatzotzot et le shofar, et pourquoi il faut le shofar qui continue ensuite. Il y a maintenant un problème technique. Vous avez sûrement entendu parler de cette halakha que très calé, l'omishtam et deux voix ne s'entendent pas. C'est un grand sujet dans la Gemara, répété dans plusieurs endroits, dans quelques endroits en chasse,
en l'occurrence là-bas dans Rosh Hashanah aussi, dans Megillah aussi, très calé l'omishtamé. Deux voix ne s'entendent pas. C'est-à-dire, si jamais vous devez vous acquitter du kiddush, ouais, vous voulez, eh ben, si moi je dis le kiddush avec une autre personne qui dit le kiddush en même temps, il y a un problème, vous ne pouvez pas vous acquitter de la sorte parce que vous allez jongler entre nous deux sans savoir où vous en êtes. Deux voix, deux sons ne s'entendent pas bien, il faut écouter et se concentrer quand on fait. Et avec deux personnes, on ne peut pas se concentrer. En l'occurrence, quelqu'un qui monte à la Torah, c'est soit le Chaler Tzibur qui lit, soit celui qui monte qui lit, mais pas les deux en même temps. Il y a une exception à la règle, c'est toutes sortes de mitzvot qui sont chavivot. On a particulièrement un plaisir. La Gemara évoque par exemple la Megillah, on aime l'écouter. Et du coup, et idem aussi pour le chauffard. Du coup, on a tellement la crainte et la joie d'arriver à Rosh Hashanah d'écouter le chauffard, que même s'il va y avoir d'autres sons, alors là c'est là le problème, c'est qu'on va commencer à sonner le chauffard avec les deux chatzotzot. Le son du chauffard, il est brouillé. On va essayer de pas l'entendre, en théorie. Très calé l'omishtamé, il s'avère que tu n'as pas fait le début du chauffard. Si après les deux trompettes s'arrêtent et le chauffard continue, alors c'est vrai que tu entends le chauffard, mais le problème c'est que tu n'as pas entendu le son du chauffard du début jusqu'à la fin. Donc c'est un problème. Et la réponse, elle est que, justement, parce que Chaviv Alei, c'est Chaviv, on aime, on a particulièrement d'intérêt. Donc du coup, on se concentre spécialement sur le chauffard, on sait discerner le chauffard des deux autres sons des trompettes qui sont à côté, et c'est pour ça qu'on s'acquitte avec le chauffard. Ainsi. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Slacha kol tov, c'est là.